Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, d'une maison moderne, type assez écologique. En fait, c'est une maison qui existait dans la réalité et dont j'ai interprété un petit peu la forme dans Minecraft. Donc vous voyez, hein, c'est une maison qui a un toit un petit peu rigolo, un petit peu sympa, qui est un peu sur deux étages comme ça avec une courbe. Donc c'est une maison plutôt rigolote, qui est pas très très grande, hein, donc on va la faire assez rapidement. Voilà. Alors, on va commencer déjà par mettre le bas en fait de la maison. On va vraiment dessiner la forme de la maison au niveau du sol. Donc on va utiliser les blocs de bois de sapin. Hop. Et on va aller sur le côté. On va la faire sur le côté là tout de suite. Et donc on va construire déjà une ligne comme ça de blocs sur 14 blocs de longueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Puis au niveau de l'arrière de la maison, de ce que vous aurez dessiné, enfin décidez-vous que ce sera l'arrière de la maison, en fait on va mettre 29 blocs de longueur comme ça, sur le côté, à partir d'un coin. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ok. Donc, une fois arrivé là sur le bout du 29e bloc, on va en mettre 9 comme ça sur la longueur. C'est-à-dire que le premier étage va avoir une forme de L un petit peu comme ça. Il va y avoir une espèce de creux à ce niveau-là. Donc on va prendre celui-là et on va mettre 9 blocs dans ce sens-là. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Puis après on va en mettre 16 vers l'arrière. Ok. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok. Puis après on revient pour s'aligner avec la partie qui est là-bas, hein. Donc normalement il y en a 6 ici en tout, donc 2, 3, 4, 5, 6, ok. Et ici du coup il suffit plus que de rejoindre les deux bouts, et normalement ça fait 14 blocs de longueur là aussi. Ok, donc pour l'instant on a ça. Et il va falloir maintenant monter les murs à 6 blocs de hauteur, c'est-à-dire qu'on va mettre vraiment... Hop, ici là on a 2, 3, 4, 5, 6, et mettre tous les murs ici à 6 blocs de hauteur. Donc voilà, hop, sur tous les côtés, moi je vais faire ce mur là en premier lieu. Youp, voilà. Donc là il y a peu de choses à comprendre évidemment, on mettra les fenêtres après dedans, hein. On taillera les fenêtres une fois qu'on aura mis tous les murs. Youp, voilà, donc je fais les murs tout de suite. Ok. Et donc, une fois qu'on a monté les murs comme ça à 6 blocs de hauteur, on va pouvoir mettre l'espèce de plancher pour le premier étage juste près. C'est-à-dire qu'on va prendre des blocs de quartz comme ça que l'on va mettre à un bloc à côté, vous voyez, du haut du mur, en diagonale par rapport au mur comme ça. Et ceci de tous les côtés, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une espèce d'encadrement comme ça, vous voyez, autour des murs qu'on a déjà fait, mais sans prendre en compte le fait qu'on a un creux ici, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire un truc tout droit ici comme ça, et qui va venir comme ça tout autour. C'est-à-dire voilà, on va faire ça, hop, et on va venir par-dessus ici le préau de la maison. Pouf, donc là on rejoint à ce niveau-là, ok, et vous voyez qu'on fait tout le tour de la maison comme ça, en mettant une bordure en diagonale, en quartz. Alors pourquoi est-ce qu'on met un trou comme ça au milieu? C'est-à-dire que on va pouvoir mettre le plancher à ce niveau-là, hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie en bois à ce niveau-là pour pouvoir mettre le plancher tout simplement, et tout le toit qui va être tout en verdure tout autour comme ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ça, on va compter 7 blocs à partir du coin ici. Vous voyez, là on est à le coin opposé du trou qui est à ce niveau là-bas. Donc à partir de là, on va compter 7 blocs dans ce sens-là. Ok, donc là on est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et à partir de là, on va mettre une barrière, une longueur tout comme ça en quartz jusqu'à un certain nombre. Alors jusqu'à 25 blocs en fait, pour avoir une barrière de la maison. Alors 2, 3, 4, ok, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ok. Et donc vous voyez que tout sur cette bande-là, avec le toit qui va venir par-dessus, comme ça, ça va être tout le temps verdure, donc on va mettre vraiment de la grâce, hein, de l'herbe dessus. Donc, hop, on va prendre tout simplement les blocs de grâce, les blocs de terre, et on va, hop, complètement boucher la surface. Voilà, donc on va s'arrêter à ce niveau-là, hein. Vous voyez, on va vraiment pas dépasser ici. Et en fait, là, on va commencer à mettre la forme du toit lui-même, c'est-à-dire que, voilà, on va prendre les blocs de quartz,
Ok, et on va partir de là, de ce bloc-là, et on va compter par l'arrière, on va faire une espèce de courbe par l'arrière, comme ça, qui va être comme ceci. Donc, c'est-à-dire, on va avoir un bloc ici, on va en mettre un autre comme ça sur la diagonale, ok. On peut en remettre un autre sur la diagonale, puis un derrière, d'accord. Après, on en remet deux comme ça, ok. Puis, on en remet un autre encore au-dessus pour en mettre trois sur la longueur. Et puis après on en remet un au-dessus pour en faire 17, c'est-à-dire qu'on va vraiment tout jusqu'au bord de la maison, jusqu'ici. Ok, hein, vous voyez, sur le niveau d'en dessous. Donc voilà, hein, je répète un peu au niveau de la courbe, hein, ici comme vous le voyez, ça fait une courbe. Donc on a un bloc, puis un autre bloc en diagonale, puis après une barre de 2, une autre barre de 2, une barre de 3, et après une autre barre de 17. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, on va faire la même chose de l'autre côté, hein, tant qu'à faire. Youp. Et après on va coller le jardin par-dessus, donc par-dessus le toit. Ça c'est le truc stylé de la maison, hein. Youp. Voilà, on rajoute les blocs jusque ici, voilà, sans déborder. Et on va relier évidemment les deux parties à ce niveau-là, d'accord. Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va mettre le toit par-dessus, c'est-à-dire vraiment l'herbe, youp, comme ça, par-dessus. Voilà. Voilà, alors effectivement avec un pack de textures ou avec un Optifine, le mode Optifine, vous pouvez avoir les tranches des herbes comme ça qui se connectent directement les unes aux autres. Et donc ça peut être vachement stylé si vous avez ça. Hop. Parce que du coup ça ne donnera pas cet aspect terre un petit peu comme ça sur le côté de la maison. Et ça c'est pratique, ça c'est plutôt pratique. Donc voilà, je rebouge vite fait, hop, la surface là aussi, ici. Ok, et donc une fois qu'on a mis notre premier étage comme ça, on va pouvoir utiliser les demi-blocs de bois de sapin. Youp, alors les demi-blocs de bois ici comme ça, pour pouvoir cacher en fait, pour pouvoir cacher la terre qui est à ce niveau-là. Et on va pouvoir aussi mettre des piliers, hop, pour soutenir un petit peu la forme du toit. Youp, je vais te montrer ça tout de suite. Sur le modèle, ok, donc on met des piliers comme ça, enfin on met des demi-blocs sur le dessus pour cacher un petit peu la terre. Et on va mettre aussi des barrières de bois. Hop, comme ça. Hop, ici, là. Tu vois, à partir de un bloc en diagonale par rapport au coin du truc. Pouf, pouf, pour éviter qu'en fait que la terre se voie davantage, hein, tout simplement. Et on va coller des barrières comme ça, les unes par-dessus les autres, pour donner l'illusion d'une... de pilier, en fait, tout simplement. Et là, on commence à avoir une forme de maison, tu vois, qui commence à se faire un peu. Ok ? Il n'y a pas encore les fenêtres et tout. Mais du coup, c'est ce qu'on va faire. Hop, c'est-à-dire qu'on va faire des grandes fenêtres longitudinales, comme on fait dans les constructions modernes, tu vois. Pouf, donc on va prendre voilà, 3 blocs d'écart par rapport au bout, et on va vraiment ouvrir sur toute la longueur de la hauteur. Hop, comme ça. Et la même chose de l'autre côté de la maison. Du coup, alors ici, en façade, on va complètement ouvrir, hein, comme tant qu'à faire. Voilà. Pouf, ici, comme ça. Et on va rajouter quelques blocs de vitres comme ça sur les côtés, histoire de donner une ouverture. Ok, donc ici, dans la même lignée que l'autre, on va mettre cette fenêtre-là ici. Ok. Et vous voyez que quand même au niveau de l'intérieur, bah, on a aussi toute une forme de... On voit la terre en fait par-dessous. Donc ça c'est un petit peu gênant. L'idée en fait par-dessus ça, c'est de reprendre un petit peu les blocs... Youp, de bois, hein, pour faire une forme comme ça. Hop, c'est-à-dire que voilà, on va reprendre les demi-blocs de bois classiques et on va complètement tapisser le plafond pour pouvoir éviter de voir tout simplement la terre. Ce serait plus sympa. Youp, ok, voilà. Et ici, pareil, on va rajouter des blocs, histoire d'affiner un petit peu la forme de la maison et d'y voir quelque chose. Alors c'est vrai que là on n'y voit plus grand chose, on va peut-être mettre une fenêtre ici comme ça sur le côté, histoire d'y voir davantage. Le problème c'est qu'évidemment au niveau du dessus des fenêtres, vous voyez qu'on voit la terre, mais bon, on peut pas complètement la camoufler non plus, c'est ça qui est un petit peu dommage. Hop, voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Hop, hop, ok, voilà, et on va tout simplement camoufler le reste de terre qui est possible à camoufler, hein, tout simplement. Voilà, alors ici, ça va être compliqué parce que ça devient de plus en plus petit. Et, ok, voilà. Donc vous voyez quand même au niveau de l'intérieur, ça donne un aspect un peu plus sympa une fois qu'il y a tout
qui est tapissé comme ça. Hop. Alors ici, c'est vrai que j'ai mis des blocs de bois de sapin, alors que ça serait plutôt des demi-blocs de quartz qui peuvent être mises, mais finalement, ça change pas grand-chose, hein, très honnêtement. Donc on va reprendre les blocs de bois de sapin ici, comme ça, au niveau de notre préau, parce que tu vois, au niveau du préau, là, bah du coup, on voit la terre aussi. Donc là, pareil, on va, hop, reboucher la vue avec des demi-blocs ou avec des dalles, hein, comme il y en a certains qui disent aussi qui dans les commentaires, hop, qui rage à cause de ça, du fait que je dise demi-blocs, il y en a qui arrivent à rager là-dessus, tu sais. Donc vraiment, hop, faut être pas tout à fait calme pour dire ce genre de commentaires. Bref, du coup, ici sur le côté, tu vois, on va mettre aussi un petit pilier de structure. Youp, ici sur le côté, là, hop, du coup, au niveau de un bloc à l'intérieur de la diagonale, pour donner un peu, voilà, un petit peu d'illusion de structure que c'est pas complètement pété comme construction. Ok, donc une fois qu'on a ça, du coup, on va rajouter des fenêtres, voilà, enfin, c'est quelque chose qui manque vraiment sur cette construction. Donc ici, par exemple, on va rajouter 3 fenêtres, hein, sur le côté. Hop, là, j'ai pas repéré les dimensions pour les fenêtres, donc on va les faire à 2 blocs, d'accord. Donc on va mettre 2 fenêtres à partir, hop, du côté ici, tu vois. Tu prends le coin de la maison et on va faire des fenêtres comme ça sur 4 blocs de hauteur, avec un bloc d'espace entre chaque. Ok, comme ça, des fenêtres de 2 blocs de large, hein. Hop. Et hop, voilà. Et ici, du coup, on met rien pour l'instant, on mettra des choses après et plus tard. Donc, sur cette partie-là de la maison, en fait, on va mettre des fenêtres comme ça qui vont être vraiment sur toute la longueur du mur ici. Donc, pour faire ça, on va prendre 2 blocs d'espace à ce niveau-là et on va mettre des fenêtres comme ça de 2 blocs de largeur sur toute la longueur de la maison. Ok, comme ça, tu vois, comme ça, comme ça. Et donc, du coup, on a 2 blocs d'espace ici et là-bas aussi. Donc, du coup, on va faire, voilà, des grandes fenêtres comme ça qui vont monter tout jusqu'au plafond, moins un demi-bloc, parce que, du coup, il faut quand même, hop, garder le plafond quand même. Donc voilà, on va mettre des vitres comme on a mis ici, pouf, sur toute la longueur, hop, comme ça, sur toutes les vitres, et on en mettra aussi du coup de l'autre côté de la maison, histoire de donner un aspect un peu plus lumineux quand même, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'intérieur, c'est complètement noir, on voit rien du tout. Pareil, au niveau du dessus de la maison ici comme ça, au niveau du dessus de la porte, les portes font 2 blocs de hauteur, donc tout le reste au-dessus, on va mettre des vitres et des demi-blocs. Alors du coup, effectivement, au niveau de l'intérieur de la maison, vous voyez que sur toute cette bande là, vous voyez de la terre aussi, donc l'idée, effectivement, la même chose, hein, c'est de recouvrir le tout de dalles, de bois, des sapins comme pour les murs, et de, voilà, de boucher complètement la terre qui serait visible. Voilà. Ok, donc on va faire la même chose du coup de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va mettre des vitres, un peu moins que de ce côté-là quand même, parce que ça ferait beaucoup. Donc voilà, on va partir sur des vitres très hautes comme ça. Alors oui, effectivement, du coup, là, il y en a aussi de la terre. Donc on va vraiment tout recouvrir de dalles comme ça, de bois sur toute la surface de la maison. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. C'est un petit peu mieux. Donc voilà, on va rajouter des vitres ici du coup, on va les espacer un petit peu plus, voilà, on va laisser espacer de 3 blocs, hop, chacune, et on va laisser un grand espace à ce niveau-là pour laisser une espèce d'énorme porte d'entrée ou de garage, hein, comme tu voulais. Voilà, donc on va juste rajouter une troisième fenêtre, et puis, au niveau du côté, on va rajouter une porte en fait, c'est-à-dire que ici sur le côté, là, on va juste prendre 2 blocs sur le côté et sur les 9 blocs qui vont suivre ici comme ça sur la longueur, on va ouvrir complètement. C'est-à-dire qu'on va là, on va prendre 2 3 4 5 6 7 8 9, OK. Et sur les 9 blocs ici comme ça de long, on va faire une énorme ouverture. Youp, comme ça. Pour pouvoir voilà, faire une entrée un peu particulière, et comme tu peux le voir sur le modèle, hein, on va faire une espèce de petit mur en trappe par-dessus pour faire quelque chose d'un peu sympa. Voilà. Donc voilà. Alors du coup, on va rajouter aussi de, voilà, du plancher comme ça au niveau du bas des fenêtres et au niveau du bas de l'entrée. Hein. Pouf. Les fenêtres, on peut vraiment les faire un peu comme on veut finalement. Ça change pas trop. Donc voilà, on va rajouter les vitres où qu'il faut. Hop. Ok. Donc alors, attends.
que je vise bien, parce que là, évidemment, les vitres, c'est toujours galère à mettre, ces machins, quand on les met les unes par-dessus les autres. Voilà, donc, on va faire un truc un peu comme ça. Et ici, tu vois, on va faire une énorme ouverture, comme ça. C'est-à-dire qu'on va prolonger le sol à ce niveau-là, c'est-à-dire le plancher, hein, sur 5 blocs de long. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et surtout de la surface devant l'entrée à ce niveau-là. Hop, pour pouvoir mettre une espèce de trappe en... plutôt une espèce de toit en trappe à ce niveau-là, au-dessus de la terrasse. Hop, du coup, voilà, on met le plancher ici. Et on va mettre la terrasse au-dessus. Non, pas du tout, on va mettre les trappes au-dessus. Donc voilà, on va utiliser les trappes en bois, du coup, hein, les trappes classiques. Voilà. Et on va utiliser aussi les barrières de bois, hein, c'est-à-dire les barrières qu'on a utilisées pour les autres piliers de la maison, hein, comme ici. Et on va, hop, sur l'alignement de la porte, tu vois, enlever tous les demi-blocs qu'il y a à ce niveau-là. Ok ? Et on va juste rajouter des trappes. Alors oui, effectivement, il faut se mettre accroupi dans les airs pour pouvoir cliquer sur les trappes. Donc là, j'en ai mis 3. Hop, là, 4. Et hop, là, on est bon. Ok. Et par-dessous, en fait, les trappes, on va tout simplement rajouter les barrières, comme je disais. Hein. Alors oui, effectivement, il faut pas oublier de cliquer dessus. Voilà, voilà. Ok. Et donc voilà, une fois qu'on a ça, on va tout simplement augmenter notre petit plancher à ce niveau-là, parce qu'on a oublié, hop, une rangée de bois, mais c'est pas bien grave. Ok, je vais finir les fenêtres ici quand même, ça peut être sympa. Ok, donc une fois qu'on a ça, du coup, on peut aussi rajouter quelques demi-blocs, tu vois, sur le dessus du toit, sur le dessous du toit, pardon, parce que ici, tu vois, ça fait un petit peu des espèces de crans assez... Enfin, qui sont pas très lisses, donc du coup on peut rajouter des demi-blocs ici, comme ça, tu vois, sur la longueur, hop, et ça donne un côté un peu plus lisse, un peu plus agréable à l'œil, hein. Enfin, ça des deux côtés tant qu'à faire, hop, pouf, 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 et pouf, voilà. Et donc, voilà, une fois qu'on a fait ça, du coup, on peut rajouter la végétation qu'on peut mettre sur la maison, hein, quand même. Alors, voilà, donc on va prendre des blocs de feuilles, évidemment, des blocs de barrières, ainsi que de la poudre d'os. Voilà, pour pouvoir faire pousser l'herbe. Donc du coup, voilà, on va mettre sur le côté de la maison, comme ça, hop, voilà, quelques plantes qui vont venir sur le côté, youp, histoire de mettre un petit peu de verdure, d'en mettre aussi sur le dessus de la maison, sur le toit, hein. Hop, comme ça, par exemple, on peut faire des espèces de barrières comme ça qui partent un peu en traviole pour mettre des espèces d'arbustes comme ça dessus, hop, voilà, pouf, pouf, et de mettre des espèces de petits arbres comme ça sur le toit. Voilà, pas beaucoup, hein, forcément, juste un ou deux, histoire de dire, quoi. Mais pas besoin d'en mettre une quantité énorme, parce que après, le problème, c'est que si on en met trop des arbres comme ça, on verra plus le dessus de la maison, ce qui serait dommage. Donc voilà, on va juste rajouter quelques feuilles comme ça, peut-être aussi un peu partout. Voilà. Et ici, voilà. Et le reste, du coup, on va juste utiliser la poudre d'os, voilà, sur la surface de la maison, histoire de faire pousser un petit peu d'herbe. Ok. Ok. Voilà. Rajouter aussi un petit peu sur le toit. Alors, on va pas rajouter d'arbres, par contre, sur le toit, véritablement, parce que sinon, ça donnerait un petit peu trop de verticalité à la maison. Ça donnerait un petit côté visuel qui serait pas très intéressant, je trouve. Voilà. Donc, pour... augmenter encore l'attrait de la maison, on va mettre une espèce de ligne comme ça, tu vois, comme sur le modèle d'arbuste, comme ça sur le côté. Une ligne d'arbuste comme ça qui va permettre de donner une certaine bordure à la maison. C'est-à-dire que voilà, on va mettre sur deux ou trois blocs d'espace entre chaque. Et on va mettre deux barrières de bois comme ça, les unes par-dessus les autres. Voilà, 1, 2, 3, pouf, 1, 2, 3, pouf. Voilà, on va faire sur toute la longueur. Hop, hop. Et hop, et une petite dernière, hop, voilà, on en met sur deux blocs de hauteur, et après on va pouvoir faire juste quelques arbustes, c'est-à-dire qu'on va juste mettre 3-4 niveaux de feuilles au-dessus des barrières, comme ça, youp, voilà, comme j'ai mis là-bas, je crois qu'il y en a 3, hein, tout simplement, voilà, 3 niveaux de feuilles, hop, voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, voilà. Alors, on peut aussi varier la hauteur des plantes, hein, si on a envie.
Ça donne un petit peu plus un côté un peu plus vivant, je trouve. Même. Voilà, donc on peut par exemple enlever une feuille comme ça de temps en temps. Ça donne quelque chose d'un peu sympa. Alors on peut aussi rajouter, enfin, on peut enlever un bloc ici comme ça pour ne mettre qu'un seul bloc de hauteur de barrière aussi, hein, ça c'est possible. C'est customisable à volonté, évidemment. Pas de problème à ce niveau-là. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va juste rajouter aussi le petit escalier qui permet de monter à l'étage de la maison, ça serait quand même pas mal. Hop. Donc ici, hein, on va plutôt le mettre à ce niveau-là. Ok, et donc on va utiliser les escaliers. Hop, comme ça, les escaliers de bois. Et on va essayer de tomber quelque part sur la maison au niveau du dessus qui soit intéressant. C'est-à-dire qu'on va essayer d'arriver à peu près par là, devant la fenêtre. Ok. Et donc, c'est à partir de là qu'on va creuser l'espace pour l'escalier. Ok. Hop. Et hop, les escaliers à l'endroit à l'envers, hein, classique. Pour pouvoir affiner la forme. Ok. Ok. Youp. Et ok. Bien, bah parfait. Parfait, parfait. Donc voilà. Alors évidemment, il faut toujours tester les escaliers si on peut passer. Parce qu'effectivement, habituellement, on fait des trous qui peuvent ne pas être suffisamment larges. Donc là, on peut passer, c'est nickel. Donc voilà, on a l'escalier, tout ce qu'il faut. Impeccable. Maintenant, voilà, on va s'intéresser un petit peu plus à la terrasse, si tu veux bien. À la terrasse où il va falloir faire une espèce de piscine un peu stylée, un peu comme on a fait sur le modèle. Tu vois, avec une espèce d'entrée comme ça, avec une, avec différentes hauteurs de bordure de piscine. Hop, je prends les blocs qu'il faut, qui vont bien. Voilà. Donc, il pleut plus. Magnifique. On va partir comme ça sur le... On va dessiner déjà la forme de la piscine sur le sol. Hein, c'est-à-dire qu'on va partir à peu près de là, hein, sur le, sur la terrasse. Et on va essayer de dessiner une piscine comme ça qui va partir par là. Donc sur une douzaine de blocs de longueur sur le côté ici, comme ça, hein, tu vois. Donc là, on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Puis par là, on va prendre 17 blocs, en fait. Tu vois. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok. Puis après, on va prendre les blocs de quartz que l'on va intégrer directement dans le sol. Hop, tu vois, donc on va les mettre derrière l'espèce de longueur de bois qu'on a mis ici. Et on va en mettre sur 5 ou 6 blocs de longueur. Tant que je regarde mon plan-plan. Ok, donc on va en mettre 7 ici comme ça sur la longueur. Donc là, on a déjà nos 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Puis après, jusque là, sur 8 blocs. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Et à partir de là, on va reprendre les blocs de bois qu'on a mis ici. On en met un par-dessus, tu vois, la longueur de quartz. Et on va tout simplement voilà, en mettre sur 17 blocs de longueur là aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok. Et si j'arrive à cliquer où il faut, on va les mettre alignés avec l'autre côté aussi comme ça. Ok, et donc là on commence à avoir notre forme de piscine qui est tout à fait bien. Voilà. On va creuser un petit peu dedans maintenant histoire de mettre de la flotte et tout ce qu'il faut. Voilà, on va creuser tout l'ensemble de la piscine sur deux blocs de profondeur. Youp. Ok, donc une fois qu'on a fait ça du coup, on va pouvoir enlever les blocs qu'il y a aussi en dessous des barrières, tu vois, comme ça. Et prendre les blocs de bois de sapin. Hop. Pour les mettre en dessous à la place, tu vois, de que l'herbe. Youp, tout comme ça sur la longueur. Pareil au niveau du quartz, hein, on va en mettre du quartz au niveau du dessous. Hop, du quartz qu'on a mis tout à l'heure. Hop, comme ça sur pour faire le vraiment le bord de la piscine. Ok, voilà. Et du coup, voilà, on reprend les blocs ici et on fait la même chose au niveau du mur sur la longueur. Et on va mettre aussi le bord, enfin le bas de la piscine, hein, comme ça, voilà, le fond de la piscine en bloc de bois aussi, hein. Pouf, voilà, ok, et ici sur la longueur, pareil, c'est-à-dire que voilà, on va même mettre jusqu'ici, voilà, tant qu'à faire, ok, youp, ok, alors une fois qu'on a ça du coup, on va pouvoir mettre des espèces de marches pour pouvoir aller dans la piscine, voilà, donc on va utiliser les demi-blocs de bois, hop, comme il y a sur la terrasse. Donc de bois de voilà bois de chêne classique et on va les mettre ici comme ça, c'est-à-dire que voilà on va tout simplement faire un escalier pour entrer dans l'eau, hein, basiquement.
Et du coup, on va reprendre les blocs de bois de machin comme ça pour les mettre au niveau du sol. Voilà. On pourrait reprendre aussi tout simplement les mêmes blocs de bois que ici. Mais bon, au pire, comme c'est sous l'eau, on s'en fout. Donc voilà, on peut mettre le sol un petit peu comme on veut. Voilà, on va juste rajouter 2-3 petits éléments de décoration au niveau du fond de la piscine, histoire que ça puisse être un petit peu plus joli. On va rajouter des lampes, des luminaires, ainsi que des distributeurs, c'est-à-dire pour pouvoir faire une illusion d'échappement d'eau. Youp. Donc voilà, je mets un petit peu le sol rapidement. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, comme je disais, on va pouvoir utiliser les distributeurs comme ça, ou les dispensers, hop, dans le fond de la piscine, histoire de faire une espèce d'évacuation de flotte, hein, pour recycler l'eau, tout ça. Donc on en met 2, voilà. Et on peut rajouter aussi, du coup, des 6 lanternes. Hop, je sais même pas comment ça se dit en français, les lanternes marines, probablement. Et on va les mettre dans... Voilà, vous voyez le sol, enfin dans le mur de la maison, hop, à différents endroits, pas trop non plus, histoire que ça soit pas surchargé. Mais voilà, ici et ici, et un autre sur le bord ici, comme ça. Ça peut être sympa. Voilà, donc là on a vraiment notre fond de piscine qui est assez réaliste. Et on va pouvoir rajouter de la flotte, hein, simplement par-dessus tout ça. Voilà. Hop, donc à partir de là, alors ouais, encore une fois, c'est le problème avec la flotte sur Minecraft depuis maintenant, hein, depuis je sais plus quelle version, c'est que moi je comprends rien à la dynamique de la flotte sur Minecraft. Donc pour remplir une zone de flotte comme ça, je sais même pas comment je vais faire. Youp, est-ce que... Voilà, donc il faut remplir la profondeur, si j'ai bien compris. Ok, ouais, bon, ça a l'air d'être à peu près ça. D'accord, effectivement, là je mets sur le dispenser, c'est pas... c'est moins bien. D'accord, c'est comme ça, d'accord, ok. Ok, je commence à comprendre les choses. Ok, bah voilà, vous voyez qu'on arrive finalement pas loin de notre modèle, finalement il reste plus grand chose, si ce n'est cette espèce de petit transat parasol en sandstone, tu vois. Donc on va prendre ça, on va faire 3 transats en sandstone. Hop, ok. Alors les décollant un petit peu du bord de la piscine quand même, ça serait sympa. Donc voilà, on va faire des transats un peu comme ça, tu vois, en demi-bloc. Et on va rajouter une barrière de bois sur 3 blocs de hauteur sur le côté. Et on va faire des espèces de plaques comme ça de sandstone qui vont venir par-dessus nos transats, histoire de faire un petit peu un parasol, comme on a vu du coup sur le modèle. Hop, ici comme ça sur 3 blocs de long, sur 2 blocs de large. Hein, et on va mettre les blocs comme ça. Ok, et tu vois, ça nous fait un petit transat sympathique, un petit parasol sympa. Voilà. Ok, donc voilà, c'était un peu la maison sur la maison écologique du coup que j'ai reprise sur Minecraft. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent matelot, et à la prochaine.